Bien, je vais surtout parler de l'histoire de ce vignoble qui est redevenu un petit vignoble, dans la mesure où nous avons maintenant une toute petite surface de vigne. Et cette surface de vigne, elle est au milieu d'une exploitation qui comporte des taillis, des prairies et des cultures. Donc on n'est plus du tout dans l'optique d'une monoculture vigne. Le fait d'être à la retraite, comme l'a dit notre ami, c'est que je me suis mis à réfléchir. Et oui, tout arrive. Donc en fait, cette vigne que nous avions essayé de faire le plus proprement possible depuis une quinzaine d'années, en supprimant tout ce qui était herbicides et intrants chimiques, en dehors des phytosanitaires, eh bien, ça nous a donné un sol qui ne fonctionne plus du tout. Du tout. Donc avec des rendements catastrophiques, des problèmes phytosanitaires à répétition. Et grâce au ciel, il y a 3 années, j'ai entendu parler d'agroforesterie avec une structure que nous avons dans le département qui est Arbres et Paysages 32, avec laquelle nous avons fait pas mal de formations qui nous ont montré qu'avec les couverts végétaux et la plantation d'arbres, on pouvait changer certaines choses. Ça marche. Voilà. Donc en fait, ce qui nous manque pour avoir une agronomie qui fonctionne et une fertilité dans le sol, c'est de la matière organique. On l'a dit pas mal aujourd'hui déjà. Et cette matière organique, si elle arrive à un taux suffisant, elle va faire en sorte que les plantes ne soient pas en déséquilibre. Le sol n'étant plus en déséquilibre, la plante n'est pas en déséquilibre. Et donc on n'aura plus d'appel de ravageurs ou de champignons sur cette plante qui sera équilibrée. Mais pour avoir de la matière organique, jusqu'à présent, nous n'avons pas en quantité suffisante. On a des taux de matière organique qui sont très bas, qui sont de l'ordre de 1 à 2% maximum. Et donc, il faut amener quelque chose. La première idée, c'était d'amener des couverts végétaux. Alors, les couverts végétaux, quand on nous en a parlé il y a une dizaine d'années, dans les premières formations, on nous a expliqué qu'il fallait les enterrer au printemps. Nous avons des sols argilo-calcaires, et on ne peut pas rentrer dans les vignes au printemps sans faire des ornières absolument profondes. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'a pas pu envisager du tout. Et puis, la science ayant fait des progrès, on nous a expliqué que ces couverts végétaux, quand ils étaient simplement couchés et posés au sol, donnaient un meilleur rendement. Là, ça commençait à devenir intéressant parce que coucher une plante au printemps, on peut le faire, puisqu'on a la plante elle-même qui constitue un support portant pour les outils. Donc ça a été une première étape. Alors on a commencé à semer diverses variétés en monoculture ou en mélange, en métaille. Et puis on s'est aperçu d'une chose, c'est que le problème n'était plus un problème agronomique, mais un problème social. En effet, lorsqu'on veut amener des couverts végétaux sur la plus grande partie de la surface de la vigne c'est des rangs de vignes avec des interrangs. Et dans la vigne, on a beaucoup de travaux manuels qui se font à pied. Et lorsque ces couverts poussent, eh bien, ils gênent beaucoup les travailleurs à pied. Donc, le problème que nous avions, c'est que le personnel ne voulait plus rentrer dans ces vignes totalement couvertes de végétaux qui arrivent à des hauteurs assez, assez importantes. Le couvert végétal, voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est la févrole. Donc, on a quelque chose qui pousse bien. Donc, on a fait un rang sur deux. Mais ça suffisait encore pas parce que ça ne correspondait pas du tout au travail. Donc on a semé le couvert végétal sur le passage entre les roues du tracteur. Résultat, un tiers de la surface couverte seulement par le couvert végétal. Pour augmenter la matière organique de 1%, il faut 30 ans dans ces conditions. Donc là, on va avoir un autre problème. En plus, ces couverts végétaux qui sont essentiellement cellulosiques vont amener assez peu de matière organique stable et il faut donc recourir à des apports extérieurs. La paille, vous avez déjà vu cette photographie, mais la paille, bon, si on la prend dans un champ, on prive ce champ de la paille. Donc ça, c'est pas une solution qui est très très utilisable non plus,
D'autant plus que le transport va coûter, l'épandage est assez coûteux également en main-d'œuvre. Ce n'est pas une solution tout à fait intéressante et on est dans le même problème de nature d'apport. Alors, fumier et compost, on a, s'ils ne sont pas générés sur place, et l'exploitation n'avait pas d'animaux, donc pas de fumier, les composts, bon, on n'en fait pas non plus. Et ce sont des fertilisants qui vont pas nous apporter une matière organique stable qui fera que nous aurons cette protection de la matière organique vis-à-vis du déséquilibre. Donc cette solution, on l'a pas retenue non plus. Qu'est-ce qui reste ? L'apport de bois. Le sol a besoin de lignine pour constituer cette matière organique dont nous avons besoin. Mais on peut faire un apport d'écorce, comme on voit sur la photo de droite, et ça, ça va pas nous amener quelque chose de très 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 performant. Et en fait, comme les autres intrants, obtenir du bois, on a vu tout de suite avant l'intérêt du BRF, mais là aussi, si on le produit pas sur place, on va avoir un coût. Et on va avoir aussi une raréfaction de cette ressource au fil des années, parce que je pense que les gens finiront par comprendre que leur paille ou leur bois peuvent très bien leur servir à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de l'exporter de leurs exploitations et qu'on aura de plus en plus de mal à en trouver. Tant plus que le bois sert quand même à bien autre chose qu'à faire du BRF. Donc il a fallu penser à autre chose. C'est là qu'on a commencé à se rappeler que la vigne avait coévolué avec l'arbre. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis des milliers d'années, puisque, par exemple, chez les Étrusques, on avait la vigne qui poussait sur les érables champêtres régulièrement. Donc cette capacité de la vigne, qui est une liane, à s'accrocher aux arbres, nous a fait évoquer quelque chose. C'est que, en fait, on pouvait, par exemple, avoir une culture à plusieurs étages, avec des arbres, des animaux, de la vigne. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'érable champêtre a été planté directement dans la vigne et nous allons les laisser pousser jusqu'à une hauteur qui est à peu près la moitié de celle de la hauteur de la vigne. Et quand ils auront 3-4 ans, on va les trogner. Donc on est complètement dans le sujet d'aujourd'hui, hein. Alors ce bois amené par l'érable champêtre, il est à deux niveaux. Il y a la partie aérienne qui va nous donner tous les ans, en même temps que la taille de la vigne, des bois qui sont équivalents aux sarments de la vigne et qui seront laissés sur le sol ou broyés. Donc c'est un apport qui est un apport intéressant en volume. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'arbre, c'est une plante pérenne comme la vigne, et l'arbre a la capacité d'abandonner tous les ans des radicelles au sol. À peu près 40% du volume des racines. Donc c'est encore un bois qui va être mis directement dans le sol, qui sera métabolisé à cet endroit et qui ne nous aura pas coûté du tout un effort quelconque. Donc tout ça, c'est gagnant-gagnant. Ça ne résout pas le problème du démarrage des sols, parce que ça peut constituer une ration d'entretien, mais pas du tout une ration de démarrage. Alors cette vigne est une vigne qui est plantée en hautain avec un seul fil porteur qui est à 1,70 m de haut. Les rangs sont espacés de 2,80 m et chaque pied est espacé sur le rang de 1 m. On a mis un arbre tous les 10 mètres, donc là ça correspond quand même à des densités assez importantes. Je pense pas qu'on a fait deux modalités de 4 rangs dans la vigne pour voir ce que ça donne. La première, les arbres sont plantés face à face, et la deuxième, ils sont plantés en quinconce. Bon, il est évident que si les arbres deviennent un peu encombrants, au bout de 30 ou 40 ans, on peut les enlever, hein. C'est pas du tout exclu. Mais en attendant, on a notre apport de bois qui va se faire de cette manière. Alors ça nous a fait également réfléchir à l'apport de démarrage. Et là, pour l'apport de démarrage, bon, avec les trognes, on a donc cette possibilité de produire du bois. Et sur cette exploitation, on a la chance d'avoir des vieilles prairies qui ont été envahies par des frênes.
Donc l'idée est venue de rénover ces prairies en laissant des lignes de frêne qui seront trognées, qui nous amèneront par rotation tous les 4 ou 5 ans la quantité de bois qui nous est nécessaire. Et en même temps, ces prairies rénovées vont pouvoir accueillir du bétail. Alors on avait pensé à utiliser des moutons, mais le mouton présente quelques difficultés, en particulier de clôture, où si on n'a pas un gardiennage du troupeau, il est difficile de laisser des bêtes pâturer toutes seules. Elles peuvent s'échapper, en fait. Donc, ça sera des vaches. Donc, on va commencer cette année, et le système sera d'avoir des bêtes qui seront entièrement à l'herbe, puisque les vaches, ce sont des herbivores. Par contre, il n'y aura pas d'étable, elles seront totalement à l'extérieur, mais elles permettront de valoriser d'autres surfaces de l'exploitation. Et en fait, elles seront entièrement à l'herbe, elles mettront le temps qu'il faut pour être produites, mais ça sera un engraissement sans complémentation. Alors, pour ces arbres essayés, nous avons eu la chance d'avoir des programmes faits par Arbre et Paysage 32 qui nous ont amenés donc dans les champs des lignes d'arbres. Vous voyez sur la gauche Féverolles, la ligne d'arbres avec la protection et le paillage. Donc ces arbres sont de différentes espèces. On a du noyer, du merisier, de l'alisier terminal, du cormier, de l'érable champêtre, du tilleul, du pommier sur cette parcelle. Donc il y a un projet qui est fait, on fait les plantations et la structure fait un suivi pendant 3 années de ces plantations. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'être à peu près sûr de ce qui va se passer au niveau de la croissance de ces arbres. Là sur cette parcelle, bon, c'est celle qu'on vient de voir. Ici, c'est une parcelle qui est attenante à un bosquet, on ne le voit pas sur la photo. Donc on a semé ici de la luzerne. Et puis, on a planté des haies. Vous voyez ici le paillage biodégradable sur lequel la haie va être plantée. Et ici, vous avez la ligne d'arbres qui avait été plantée dans la luzerne. Alors, cette parcelle est un petit peu particulière parce qu'on a l'espoir, en fait, de l'utiliser pour une production animale. Avec, donc, des arbres. Là, ici, ce sont des arbres qui sont essentiellement des arbres fruitiers, avec une densité un peu plus importante, pour que les animaux puissent profiter directement des fruits. On a planté des haies, et la totalité de la parcelle sera enclose. Donc vous voyez qu'il y a un bosquet qui existe déjà, et avec une friche avec des arbres qui poussent. Donc tout ça, ça sera utilisé pour une production animale totalement en liberté. Voilà le l'ISO. Donc vous voyez les espèces qui ont été plantées, là sont noyer, merisier, alisier, cormier, érable, chêne pubescent, tilleul, poirier, chêne vert, figuier, cerisier, amandier, pommier, prunier et néflier. Donc il y a un peu plus de fruits pour nourrir les animaux sur ce projet. Bien sûr, on ne pourra pas mettre des animaux avant une dizaine d'années sur cette parcelle. Il faut quand même que les arbres soient suffisamment poussés. Et il faudra de toute manière les protéger si on utilise, comme nous en avons l'intention, des porcs. Bon, alors cette production animale va donner une valeur ajoutée supplémentaire. Et elle introduit également la présence d'animaux sur le domaine. Bon, ça c'est une idée qui est personnelle, mais pour moi, une exploitation, c'est un individu dans lequel il doit y avoir du végétal et de l'animal, avec un équilibre qui découle de la présence des deux. Alors voilà, donc ce sera des gersièses et des porcs noirs. Alors, bien sûr, la vigne est la production principale de la vigne en termes de valeur ajoutée, du domaine. Et cette valeur ajoutée, elle est confortée par les autres surfaces. Donc ces bois taillis vont servir à nous donner le bois nécessaire. Les prairies, on en a déjà parlé. Et les cultures vont être toutes donc en agroforesterie et nous permettront d'avoir un bon équilibre avec un assolement varié.
On est en train de mettre en place du semis direct sous couvert végétal. C'est pas toujours évident, mais on essaie d'y arriver. Voilà. Donc, en fait, l'ensemble va nous donner un équilibre dans lequel on veut voir très vite augmenter la matière organique. Alors, bon, on pourrait penser qu'une telle structure d'exploitation qui correspond un peu aux exploitations gasconnes d'il y a 2000 ans est une régression. En Gascogne, sur le haut des collines, nous avons de l'arbre, du chêne en général, parce que c'est une barre calcaire sur laquelle rien ne pousse. En dessous, nous avions la vigne, et puis l'étage inférieur était réservé aux céréales, et dans la vallée, il y avait des prairies, avec beaucoup d'arbres, bien sûr, et les animaux qui servaient à la traction et à la fumure. Mais en fait, ce système-là, c'est un véritable équilibre, et c'est celui que nous essayons de recréer. Donc, ce qui est embêtant, c'est que dans notre région, on continue de voir des abattages massifs de vieux arbres qui sont présents dans des haies pour des regroupements de parcelles. C'est évident que les arbres s'opposent un petit peu à la transmission des ondes et que les tracteurs équipés de GPS ne peuvent pas fonctionner tout seuls dans ces parcelles entourées d'arbres. Donc on les fait disparaître et c'est un petit peu dommage. Voilà. Voilà un petit peu le projet que nous avons, qui est déjà bien avancé. Je vous remercie.